Tu sais, ton cousin a une drôle de manière de faire des affaires. S'il continue à ce rythme, il ne pourrait jamais s'en sortir dans ce pays. Pour quelqu'un qui a fait l'Europe et qui n'a pas une notion de temps, je trouve ça un peu suspect, tu ne penses pas? Oh chérie, moi-même je ne le comprends pas. Il veut quelque chose de son contraire. J'espère qu'il n'est pas en train de monter des histoires de toutes pièces juste pour te séduire. Ah, s'il fait cela, ne tarderai pas à être dévoilé. La vérité finit toujours par triompher. Tu sais, arrêtons de parler de ton cousin et parlons plutôt de nous. Je sais quelle est ta préoccupation. Elle mérite d'être résolue. Et tu sais qui a la clé? C'est toi, mon petit cœur. Chérie, s'il te plaît. Il faut juste un peu de temps. Un tout petit peu de temps. Pour que je puisse réfléchir et mûrir un peu ma réflexion. S'il te plaît, chérie. J'attendrai. Et sache que pour toi et le bébé à venir, je ferai tout. Je vous accorderai tout le confort possible. Il va falloir que je parte. Oh chérie, je te dirai si je suis prêt pour porter un enfant de toi ou pas. Tu lui remets ça, Merci beaucoup, toi. Je t'aime. À tout à l'heure. Oui, mon bébé. Alors, je t'écoute. Je te passe Raphaël. Il veut parler avec toi. Allô, papa, bonjour. Bonjour, fiston. Comment ça va? Papa, quand vas-tu venir rester avec nous en France? Venir en France? Mais je n'y ai pas encore pensé. Il fait trop froid ici, papa. J'ai envie que tu viennes. Ta mère m'a dit que tu avais quelque chose d'important à me dire. Papa, j'ai eu la première note en mathématiques. Tu vas m'acheter un vélo, n'est-ce pas? Ce genre de problème, fiston, c'est à ta mère que tu dois le poser. Tu sais bien que je n'ai pas d'argent. Oh, pourquoi tu dis toujours que tu n'as pas d'argent? Boucle-la et passe-moi ta mère. J'ai quelque chose d'important à lui demander. Dis-moi concrètement ce qui se passe. Chef, j'ai intégré un réseau de faubières il y a quelques mois. Mon ami, depuis qu'il a eu sa nouvelle copine, il a complètement changé. Ça se passe comment? La livraison se passe 2 fois par semaine. Ok, donc après la contrefaçon, oui. Les livraisons se font 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Oui. Ensuite. Et notre ami qui est notre chef, quand l'argent tombe, il change. Il ne nous donne plus rien. Il se met à se faire des maisons, acheter des voitures. Il ne vous donne rien. Donc depuis que votre ami, qui est le chef de ce groupe, a rencontré une nouvelle copine, il ne vous donne plus rien. Oui. Chaque fois que le butin tombe, il le conserve pour lui. Passe le temps à équiper sa maison, à lui construire des nouvelles maisons. Oui, chef. C'est ça? Oui, chef. Oui, qu'est-ce qui se passe? Continue. Tout récemment, l'un de nos amis a demandé sa part. 3 jours après, on l'a trouvé mort. Quoi? Donc, dès que votre ami, qui est le chef du groupe, perçoit une lourde somme d'argent, il change. Il change. Il n'acceptait plus partager. Et dès que vous lui réclamez votre code part, c'est la mort que vous retrouvez. Oui, chef. Merde. Il y a eu quelqu'un qui est mort une fois.
Non, chef, c'est la première fois. Quelqu'un est mort parce qu'il a réclamé de l'argent? De l'argent. Ah bon? Oui, chef. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Chef, je voudrais que vous me protégiez. Et je veux l'argent. Ma maman est malade. Ce que vous attendez de moi après cette opération, c'est que je vous protège. Et vous voulez de l'argent pour résoudre vos problèmes. En passant par la main malade, la relance de votre cordonnerie, etc. Chef. Ok. Pour finir, je veux quelques informations bien précises qui me permettront de mettre la main sur cet assassin. Oui, chef. Je connais d'abord, premièrement, sa maison. Sa maison? Et le lieu où on fait le... Vous faites ce faux-là? Ce faux-là, oui. Là, cette contrefaçon-là? Oui. Tu localises bien l'endroit? Oui. Et son numéro de téléphone. Ok. Je prends tout juste son numéro de téléphone et le reste sera prêt. Je prends juste le numéro de téléphone et le reste sera fait après. Hein? Le 600. Je propose quand même que tu ailles voir Ekobina pour lui parler de notre situation. Dans quel but? On ne sait jamais. Il peut te faire un prêt d'argent afin qu'on puisse trouver le terrain quelque part. Ce n'est pas mal comme idée. Mais je le ferai après le travail. Davina! Davina! Oui, tonton. S'il te plaît, je veux que tu m'aides. Il y a le vin là-bas. Avec le verre, apporte. Apporte. Ouais, tonton, regarde comment tu es. Et tu veux boire encore. S'il te plaît, je n'ai rien mangé depuis le matin. Ma gorge est sèche. Apporte. Et tonton Ekobina, qu'est-ce qu'il y a? Tonton Ekobina, qu'est-ce qu'il y a? Le téléphone. Appelle mon ami Saboulou. Dis-lui que je suis en train de mourir. Allô, tonton Saboulou. C'est chez Ekobina. Il est mourant, il ne va pas bien, il vient tout juste de chuter. Ok. Bye. Tonton Ekobina, qu'est-ce qu'il y a? Tonton. Ma copine, j'ai une bonne nouvelle pour toi. God Love recrute. Et
s'agit de quoi? Il s'agit de renforcer son effectif. Renforcer son effectif? Mais dans quel but? Il paraît que la maladie de son enfant lui a tellement coûté cher à l'hôpital que tous les transporteurs doivent cotiser 100 000 francs ou rien. 5 000 francs. Mm-hmm. Ils n'ont pas donné de pièces. Tu appelles quoi pièces? Tu veux le boulot ou pas? Ah ah. Tout compte fait, Mouna. Je ne suis pas intéressée. Ah. Hmm. Thank you.
mabekine. Tumi baula. Eyanga berise. Ano june. Oh oh, yanga berise. Mabekinga timi bese kinyaneri. Ah, mabekinga timi nose kinyaneri. Eyanga. Samo kibe ti bonano Mabenye nebe te na Mwaye kibe di tu nebendo Bobi yep me Oh, Bobi yep me Mabe kinge diya Nungile teme yebe se Kinyene kinyene no Ça va aller, mon ami. Ça va aller. On va te placer les médicaments et puis tu n'auras plus les douleurs. Les douleurs vont se calmer. Hein? Donne-moi ta main. On va te mettre les médicaments pour la douleur. Et ça va te réduire la douleur. Ne t'inquiète pas, ça va aller, hein? Ok. Bon, donne-moi les médicaments là. Je peux me coller. Mais Mouna, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'on a failli te tuer au deuil de l'ami de Kobina? Toi aussi. Qu'est-ce qui garantissait que j'allais sortir vivante de ce village? À ton avis, pourquoi Kobina ne peut pas faire d'enfant? Je me suis toujours posé la même question. Un homme, un fonctionnaire comme lui, le seul homme stérile. On a dû l'arranger copieusement pour bloquer sa vie. Il paraît que les gens disent qu'il est chiche, qu'il n'assiste personne dans sa famille. Ah, ma copine, tais-toi. Surtout, ça reste entre nous. Bouche cousue. Ouais, je ne suis pas là, hein. J'ai amené Ekobena à l'hôpital. Il est très malade. Il souffre de gouttes. Ses pieds sont gonflés. Ouais, les articulations partout. Il sent mal partout. Ah, il ne fait que vomir. Il ne mange même pas. Il a été très malade. Il ne va pas à l'hôpital. Il ne fait que boire. Avec trop de viande qu'il mange aussi là. Tu sais, en tant qu'agent d'eau et forêt, il n'achète rien.
Ah, s'il plaît à Dieu, hein. En tout cas, je me suis battu, je l'ai amené dans un hôpital de la place. On est en train de le suivre. Ah, il est vraiment dans un état très avancé. On va voir. On va voir. Il ne mange pas, il vomit. Ok, il est déjà hospitalisé. Bon, c'est ce que je voulais vous dire. Ok. Sabolo. 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 Et son sifflet, il ne donne pas le lait, il prend sa part, sa boule. Avec sa tenue et son insigne, il ne donne pas le lait, il prend sa part. Ça, c'est sa boule. Il vit son temps dans le temps, et il s'en fout du lendemain. Ah ouais ouais, c'est sa boule. Il grandit dans le faux, et il s'en fout de tous les mots. Ah, c'est, il est la loi, il est la loi, mais il fait sa loi, il fait sa loi, il est la loi, il est la loi, mais il fait. C'est sa boule. Si tu t'amuses, il te tape avec les mains. Et en plus, il est fort, hein. Tu t'amuses, il te cogne avec ses pieds. Il est la loi. Il est la loi. Mais il fait sa loi. Il fait sa loi. Sa loi à lui. Il est la loi. Pour lui, l'argent est le dossier. Il s'en fout des conséquences. La morale est dans sa poche. Ah oui, oui, c'est sa boule. Ben Skinner, il l'attrape. C'est le gombo, gombo. Taximène, il l'attrape. Tu ne payes pas. Tu es personnel, il te frappe. Ah mon fils, prends ton dossier. Papier sans papier, il t'attrape. Oh, c'est pas important les papiers, hein. Il est la loi.